Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de votre journal de 15 heures, essentiellement donc consacrée à l'inauguration des nouveaux équipements de l'imprimerie nationale. Dans un monde marqué par la réalité des exécutions de tâches où s'est imposé le tout numérique, l'imprimerie nationale a acquis des nouveaux équipements performants qui donneront une nouvelle impulsion à l'établissement de caractère public et commercial. Et par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de la Télécommunication chargé des postes, Abdi Youssouf et la directrice de l'imprimerie nationale Alida Ali Mouti. L'imprimerie nationale est placée donc sous la tutelle du ministère de la Communication. L'imprimerie nationale a été créée vers les années 50 pour les besoins de l'administration coloniale. Elle utilisait à l'époque de lettres en plomb et de vieilles machines manuelles pour produire les documents administratifs ou faire apparaître l'hebdomadaire Le Réveil. Elle s'est depuis transformée pour être l'imprimerie d'un État souverain. Elle bénéficie régulièrement d'appui de l'État qui lui renouvelle ses équipements de travail et d'impression pour être en parfaite synergie avec son époque. Travail de qualité, rapidité d'exécution, modernité dans le design proposé et impressions en couleur sont exigées. Donc, les premières dotations en matériel et équipement datent de 1985. Un nouveau bâtiment abritant donc les ateliers de l'imprimerie a été également construit. La directrice de l'imprimerie, Alida Ali Mouti, s'est déclarée ravie et très heureuse pour le renouvellement des équipements et des matériels de son établissement. Selon Alida Ali Mouti, l'imprimerie nationale est désormais en mesure de répondre à tous les besoins du pays. L'imprimerie nationale a toujours eu cette lourde tâche et honorable de répondre à toutes les commandes d'impression du secteur public et du secteur privé. Avec ce que cela exige comme délai d'exécution, de qualité ou de demande d'impression en couleur. Nous nous sommes toujours attachés à nous doter de machines de pointe pour les permanentes mutations technologiques nous imposent. L'imprimerie nationale, en dépit des difficultés, est toujours restée une solide entité sur laquelle reposent les organes de presse du pays pour leur perception et pour le tirage des documents officiels dans la publication du journal officiel. En outre, en période électorale, nous sommes grandement sollicités pour l'apparition à temps des affiches publicitaires et des bulletins de vote dans leur variété. Je ne me permettrai pas de vous détailler tous les équipements reçus et qui nous ont déjà permis, à titre d'exemple, d'améliorer grandement la qualité des unes et d'air du journal La Nation et Al-Qarn. Mais me contenterai de vous signaler simplement que sans la décision ferme et volonté du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, nous n'aurions pas acquis ces équipements et machines de pointe. Il s'agit grosso modo d'une machine 4 couleurs 70%, d'une machine 2 couleurs 52-74 avec système de recto verso, d'un computer to plate permettant, et à l'initiative du président de la République, nous serions en mesure de fabriquer des exemplaires du Saint-Coran que les fondations de ces États-Unis distribuent gracieusement à des milliers de fidèles musulmans à travers le monde. Et de son côté, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, a félicité cet établissement pour le renouvellement de ses machines. Il a remercié le chef de l'État d'avoir donc financé ce projet qui est d'une importance capitale pour le pays. C'est un honneur pour moi de prendre la parole devant vous à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration des nouveaux équipements d'impression. Ces équipements, d'une valeur de 2 millions d'euros, soit près de 400 millions de nos francs, pour le compte de l'imprimerie nationale, est l'aboutissement d'un projet initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République de Djibouti, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, démontrant au passage, le secteur de l'édition.
l'imprimerie nationale tourne aujourd'hui la page d'une période difficile grâce à l'initiative très louable de notre cher président qui a bien voulu injecter par le biais du programme d'investissement national cette enveloppe. Je ne peux que remercier et féliciter les efforts consentis par le président de la République à l'approche du 40e anniversaire de l'acquisition de notre pays à son indépendance. Et de financer ces projets en vue d'équiper l'imprimerie nationale d'outils de pointe. En effet, je ne doute pas pour ma part que l'imprimerie nationale, mieux dotée en équipement et en compétences, relèvera les défis pour reconquérir les terrains et les parts de marché tant au niveau national qu'international ou régional. La compétitivité et la réussite seront au rendez-vous. Toutefois, la directrice et son équipe méritent d'être félicitées et doivent adopter des stratégies à moyen et long terme en faisant preuve au passage d'une gestion rigoureuse de la chose publique parce qu'il y a eu un investissement très lourd. Par ailleurs, j'invite à mes collègues et les directeurs des établissements publics d'orienter leurs commandes à l'imprimerie nationale afin d'optimiser cet investissement. Et bien donc, à l'issue des séries de discours, le chef de l'État a procédé à la coupure traditionnelle des rubans pour présenter donc les nouvelles machines de pointe. Une visite guidée donc s'en est suivie. Le matériel présenté se compose, entre autres, d'une machine 4 couleurs format 70 x 100, d'une machine 2 couleurs format donc 52 x 74, d'un computer two-plate permettant donc d'imposer directement les plaques à partir d'un ordinateur, du renouvellement de tout le matériel informatique avec des logiciels de conception de dernière génération. De ces acquisitions s'élève à 2 millions d'euros. Cette somme a été donc tirée du programme d'investissement national ou PIN, fonds placé donc sous la tutelle du Premier ministre. Ces équipements ont été obtenus auprès de la firme allemande Kibea, leader mondial des machines donc d'imprimerie. Kibea donc a signé un contrat de maintenance avec l'imprimerie nationale et un contrat de transfert de compétences afin que nos imprimeurs et nos électrotechniciens, j'y arrive, donc puissent être à la hauteur des responsabilités qui les attendent.
rappelons donc une visite guidée s'en est suivie lors de la cérémonie donc, et les différents speeches. Le matériel présenté se compose entre autres d'une machine 4 couleurs format 70 x 100, d'une machine 2 couleurs format 52 x 74, d'un computer two-plate permettant d'imposer directement les plaques à partir d'un ordinateur, du renouvellement de tous les matériels informatiques de l'établissement avec des logiciels de conception de dernière génération. Le coût total donc, de ces acquisitions s'élèverait à 2 millions d'euros, soit 500 millions de nos francs. Cette somme donc, a été tirée du programme d'investissement national ou donc le PIN, fonds placé sous la tutelle du Premier ministre. Ces équipements ont été obtenus auprès de la firme donc, allemande Kibia, leader mondial des machines d'imprimerie, qui vient donc à signer un contrat de maintenance avec l'imprimerie nationale et un contrat de transfert de compétences afin que nos imprimeurs et nos électrotechniciens puissent donc être à la hauteur des responsabilités qui les attendent. Et bien donc, après la visite à l'imprimerie nationale, qui a reçu donc des nouveaux équipements performants, nous avons donc recueilli les impressions du président de la République, Ismaël Marghelli. Le chef de l'État a indiqué que ces équipements nouveaux que nous avons donc ramenés pour l'imprimerie est donc très moderne avec une technologie de pointe. Le chef de l'État, Ismaël Marghelli, a précisé que sur la première phase, donc, que ces équipements y arrivent. D'autres équipements donc, destinés à l'imprimerie nationale seront donc bientôt disponibles. Outre donc les nouveaux matériels, le chef de l'État a ajouté que les capacités techniques ont été renforcées pour les personnels de l'imprimerie nationale qui fait donc un travail de niveau international. La semaine de la francophonie donc, est célébrée avec FAST par bon nombre des CDC de la République de Djibouti. On a commencé avec des dictées et des concours, donc une activité de production écrite 10 mots en lien avec donc, les 10 mots j'y arrive de la journée internationale de la francophonie 2017 a été organisée au lycée d'État de Djibouti. Donc à l'école préscolaire de Rodan Nord, les tout petits ont eu droit à des activités, des jeux proposés gratuitement et des cadeaux offerts par les Anikits, les tout donc clôturé en beauté par un pot et une distribution de friandises par la commission organisatrice. Par ailleurs, des élèves à besoins spéciaux du CPE et ceux rattachés au service des l'EABS ont joué un sketch. L'école du quartier 7 bis a accueilli des activités de natation, de narration, de contes après donc l'après-midi. Place donc à une multitude d'activités dans la narration de contes dans l'école du quartier 7 bis, où une conteuse, Fardoussa Abdila, a effectué une tournée dans les classes. Des histoires et des légendes en français issues des différents horizons littéraires et culturels qui furent suivis d'échanges avec les élèves à travers un jeu de questions-réponses. Le clou de la semaine de la francophonie est prévu pour demain lors d'une grande et belle cérémonie qui sera donc organisée
au collège d'enseignement moyen du Gabon 1 en présence du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Au menu de la cérémonie est prévu un riche programme et une ambiance festive avec notamment des sketchs du théâtre, un reportage et des compétitions d'orthographe. Rappelons-le, donc 90, la lecture des poèmes et des chansons en chœur des prix seront remis aux lauréats des différents concours. Pour enthousiastes, les Ricains ont dominé le match du début à la fin. Ils ont inscrit au cœur des prix seront remis aux lauréats des différents concours. Enthousiastes, les Ricains ont dominé le match du début à la fin. Ils ont inscrit une nouvelle date. Joint sur le plateau. Bonjour Hussein. Bonjour Ali. Donc focus cet après-midi sur Theresa May qui appelle donc à ne jamais céder à la panique. Et effectivement Ali, après avoir dû quitter précipitamment le Parlement lors de l'attaque de Westminster, la première ministre britannique a présidé dans la soirée de mercredi une réunion des crises interministérielles. Il reste l'une des villes le plus sûres au monde. Merci. Merci donc pour ces précisions. Merci à vous de l'avoir suivi et très bon suivi des programmes sur Télé-Djibouti.